fallait pas qu'on président. Il est âgé, il est malade, il n'est pas qu'on sait qu'est-ce qu'il fait. Les Algériens ont adopté une expression pour désigner leur chef d'État, le président zombie. Depuis son accident vasculaire cérébral survenu en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'a pas pris la parole en public. On le dit aphasique et largement paralysé. C'est ajouter l'offense à l'insulte, quoi. C'est mettre de l'huile sur le feu. C'est impensable. Ancien combattant de l'indépendance, Abdelaziz Bouteflika avait commencé sa carrière politique en Lyon. En 1963, il devient le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. Il a 26 ans. Il restera à ce poste jusqu'à la fin des années 1970. Il est ensuite accusé de corruption et s'exile pendant plusieurs années, comme le rappelle ce professeur des HEC à Montréal. Il a trempé dans le détournement de ce qu'on appelait le trésor du FLN, le trésor du Front de libération nationale. Bouteflika revient pourtant en Algérie à la fin des années 1990 et trouve le moyen de rehausser lentement sa cote de popularité. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Bouteflika est élu président pour la première fois en 1999 au terme de la décennie noire qui aurait fait jusqu'à 150 000 morts. Il accorde l'amnistie inconditionnelle aux tueurs et trouve le moyen d'améliorer les conditions de vie d'une partie de la population, selon Omar Aktouf. L'accès au logement, l'accès aux voitures, aux produits électroménagers, etc. Apporté en masse et subventionné, etc., etc. Oui, je dirais même très sensiblement. J'ai le devoir et la volonté d'apaiser le cœur et les esprits de mes compatriotes. Aujourd'hui, le message du candidat Bouteflika ne semble plus convaincre. Les manifestations populaires se poursuivent, tandis qu'un collectif d'artistes algériens parmi les plus connus vient de produire une chanson de protestation contre le régime. Ici Sylvain Desjardins, Radio-Canada, Montréal.